Il y a Pierre Trudel qui est connu pour ses positions-là, Pierre Noroux, mais il y a le juriste en particulier, Jean-Denis Archambault, pour les juristes dans la salle, qui l'ont peut-être lu à l'UQAM, je ne sais pas trop. Pardon? Il est mort. Ah, mon Dieu, mais pensez pour Jean-Denis Archambault. Mais son ouvrage de 2008, néanmoins, reste dans la postérité, espérons-le. Donc, qui tenait un problème. Feu Jean-Denis Archambault. Donc, sa thèse, il avait écrit un ouvrage qui était vraiment d'une rare portée critique au sein de la doctrine, et sa thèse, c'était de dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de déviation idéologique, non seulement auprès de l'agent légal, auprès des professionnels du droit, mais aussi, même qu'on observe dans la classe politique, en faveur du droit à la réputation, par rapport à la liberté d'expression. Et effectivement, le Québec et le Canada, même plus largement, jouit tellement d'une mauvaise réputation, juste à titre d'exemple, en matière de liberté d'expression, qu'il y a des collectifs universitaires d'États-Unis qui, au moment où s'organise, je pense en 2008 par exemple, on avait annoncé à Toronto la tenue de la conférence annuelle de l'Association américaine de sciences politiques. Et il y avait eu un collectif d'universitaires états-uniens qui s'était un peu insurgé en disant ben, « Le Canada, c'est une destination problématique. On ne veut pas aller présenter nos travaux là-bas parce qu'il y a plusieurs membres de notre collectif qui ont peur de poursuites. »